Bonjour Benoît. Pierre, pour NoSense TV, on a vu dans les dernières images que tu avais l'air très très affûté. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées différemment lors de cette préparation par rapport à la dernière? Oui, bien sûr, comme je dis, bah, ça n'a rien eu à voir avec mes précédentes préparations. Déjà, j'ai repris beaucoup de plaisir à l'entraînement, chose que j'avais perdue depuis pas mal de temps maintenant. Et je me suis encore professionnalisé, je me suis entouré d'un diététicien. Je me sens très très bien. Et voilà, bah, j'y ai plus qu'un. Hein. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'être samedi soir et de vous faire la guerre qui est promise par l'UFC, mais qui aura lieu, je vous le garantis. Juste une question en anglais. If you want Saturday night, what's next for you? What's your ambition next year in 2025 in the lightweight division? Everything is open, everything is to take. I'm here to take everything I can. First off, I need to put on a huge performance against Moicano. It's a tough fight. I'm expecting a tough fight, and it's going to be one. Expect me to do my best to climb the division. And can you give us a prediction, maybe, for your fight? Prediction is you're going to like the fight. Thank you. Benoît, j'ai des questions du chat Twitch d'RMC Sport. Pareil, pour rebondir sur la condition physique, tu parais très 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 affûté. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements dans la manière de combattre? On va être sur la stratégie BSD qu'on connaît bien. Alors, on ne change pas l'ADN d'un combattant du jour au lendemain. Maintenant, on peut s'attendre à beaucoup d'ajustements, des ajustements importants. Maintenant, un combattant engagé et généreux, ça je le serai toujours. Mais vous pouvez vous attendre à pas mal de précisions supplémentaires et de choses. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer un peu tout ce qui a été travaillé. En un camp d'entraînement, c'est jamais facile de réajuster pas mal de paramètres, mais on a fait un bon boulot, je suis fier du boulot de l'équipe et il n'y a plus qu'à. Et justement, toi qui as bâti ton succès à l'UFC avec cette hyperactivité entre les combats, qu'est-ce que ça fait maintenant de prendre vraiment de grandes pauses entre les combats pour de très gros combats? Bah, ça m'était déjà arrivé avec le Covid. Le Covid, malheureusement, avait mis un peu la carrière de tout le monde en pause, entre guillemets, hein. Donc bah c'est dur pour un combattant parce qu'il veut être actif et à la fois ça fait du bien à la santé mentale parce que ça permet des fois de se reposer, de réfléchir à des choses et de prendre du temps pour sa famille. Et dernière question pour moi. On sait que tu as l'habitude de très beaux discours et de très beaux call-outs après les victoires, notamment à Paris. Est-ce qu'il y a déjà des noms en tête, un plan pour toi précis si tu bats Moïcano? Alors, j'ai la chance d'avoir un super manager et moi, mon boulot, c'est de vous donner un combat très engagé et samedi qui donne envie en fait à l'UFC de me donner plus. Et pour ça, c'est à moi de faire une bonne prestation samedi soir. Merci. Benoît, couple of questions in English for the international media. So, as you said before, so you're famous for your call-outs. Any plans already? And if you can answer in English for this question, please. Like I said, it's very open, but all I need is to do great performance on Saturday night, and I have a great manager. He's taking care of it. My job as a fighter is to go out there and to put on the fight everybody is expecting, and to make it go my way, and we will see from there. And for this question as well, if you could get the answer in English. So new team, same Benoit. What can we expect from you this Saturday night? Nothing is really new, you know. My team is the same. We are just small changes, and all you can expect is a lot of precision where it was lacking, and more professionalism, and more experience, Benoit. And last one for me in English. So, what does it mean for you to be main event here in Paris? A dream come true, or is it just a natural progression path for you in your career? No, it's an honor and a privilege to represent my country with my
Fellow countrymen, it's a huge honor. I'm really grateful for this occasion, and I'm ready to give it all inside the octagon. Thank you. Bonjour Benoît, Johan Lucas pour Eurosport. On a beaucoup parlé de ton infection au staphylocoque à ton dernier combat contre Poirier. Tu es beaucoup revenu dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains dans ton camp d'entraînement maintenant que tu arrives à la fin, peut-être moins, mais pendant que tu as craint pendant ton camp d'entraînement, est-ce que tu as mis des mesures en place d'hygiène ou quoi que ce soit pour faire barrière à une nouvelle infection? La difficulté, en fait, c'est que c'est un sport qui est de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus de gens qui veulent pratiquer. Et ça, c'est le travail qui a été bien fait. Tous les gérants maintenant des salles essayent au maximum de protéger les gens avec le nettoyage. Malheureusement, c'est un truc qu'il faut tout le temps surveiller. C'est un paramètre supplémentaire. La popularité de ce sport fait qu'il y a de plus en plus de passages dans toutes les salles. Et ça fait qu'il faut être vigilant. Et bien sûr, ouais, faut être très vigilant parce que moi, ça change ma vie d'être bien le jour J. Pour certaines personnes, ça change rien, mais de passer une semaine sous antibiotiques et de rien faire, pour quelqu'un qui a un combat important ou qui est professionnel dans le milieu du sport, ça peut changer sa vie. Donc, il faut. Et bien sûr, c'est un paramètre en plus. Et je rebondis juste rapidement sur la popularité nouvelle avec de plus en plus de pratiquants dont tu parles justement. Y a beaucoup on parle beaucoup dans les MMA, dans les MMA amateurs notamment et dans les salles du fait qu'il y a de plus en plus de cas de staphylocoque. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as observé parmi les gars avec qui tu t'entraînes ou même pas forcément? Comme je le dis, hein, y a plus de monde, plus de passages, donc oui, c'est quelque chose qui a été. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant et donc il faut y faire attention et. Il y a une prise de conscience, je pense, collective qui se fait là-dessus dans le monde des sports de combat. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que c'est pas un truc agréable. Merci. Benoît, right here, Emil Sardarian from Stand 'Em Up. I see you train a lot of Muay Thai with a new trainer as well. Has that been a big focus point in your camp? I have the same crew as usual. Almost the striking coach has been changing, and of course it was a lot of work on the we have done together, and I'm ready to show it off. Obviously you fight very aggressively to the point that sometimes it seems that your offense is also your defense, but with your new coach he said that he wanted to see you fight more technically with better movement, better defense. Is that what we're going to be seeing here in Paris? Of course, what we want is the same fighter with a bit more of responsibility defensively. And this has been one of the keys around my preparation. And I'm ready to give a war and to show this off. So, after your last fight, a lot of people, a lot of fans have been disrespecting you a bit, calling you a fraud because of your last performance. Do you feel like there is a chip on your shoulder to prove to them that you are as good as advertised? You know, it's always the fight business is always like this. With a victory, you are the highest, and with a defeat, you are the worst. It's the difficulty of the fight game. We don't play every weekend like in football. So it's the real difficulty of the fight game is each fight is changing your career. All right, thank you. Hi, Benoit. Ami from Bay Turquoise. I was wondering, where do you think you can hurt Moicano the most in your game, with your game? Yeah, I think we will test each other's skills. You know, he's a tough guy, he's well-rounded, so we will see how it plays out. All I'm expecting is a well-rounded guy and a tough fight. And usually we see Moicano being very strong on the ground, especially his jiu-jitsu. Is that something you try to avoid and keep it standing, or you will go down there with him? I'm a complete mixed martial artist, so it can go anywhere, and we will bring it anywhere we can have our way. Thank you, man. Good luck with the fight.
Benoît, bonjour. Au fond, caméra. Il y a un an, tu étais en entrée de carte à l'Accor Arena. Aujourd'hui, tu es en main event. Comment tu vis cette ascension fulgurante, toi, personnellement? Alors, il y a deux ans maintenant déjà, hein, c'est la troisième édition. C'est l'accomplissement de combat après combat, d'un travail d'équipe qui a été fait sur le long terme et de beaucoup d'investissements, en fait. Beaucoup de camps d'entraînement, des changements aussi dans ma vie, des aménagements, beaucoup de choses qui sont mis bout à bout pour en arriver là. Et j'en suis très fier. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un moment important. Chaque combat est le plus important de la carrière d'un combattant. J'aime souvent dire ça. Il n'y a pas de combat plus important qu'un autre parce qu'en fait, c'est toujours le combat précédent qui t'amène là où tu en es aujourd'hui. Donc c'est un honneur, un privilège et beaucoup de bonheur pour ma carrière en tant que combattant. Et pour rebondir sur ce sujet-là, il y a beaucoup de débats sur le représentant du MMA en France. Je ne vais pas te poser la question de qui c'est, mais toi, tu reçois beaucoup d'amour de la part de tes fans. Comment tu vis ça, ta relation avec tes fans en France? En fait, il y a beaucoup de combattants. Il y a beaucoup de combattants qui sont talentueux et déterminés en France. Là, on a une très belle carte avec des combats compétitifs, avec des enjeux pour beaucoup de combattants francophones, pour justement ces combattants français qui peuvent accéder à toujours mieux. Et c'est le succès de la discipline qui fait plaisir à voir. Et moi, je suis très heureux et privilégié d'avoir ce soutien de la part du public français en général. Et j'en suis très fier. Merci bien. Benoît. Bonjour. Vas-y. Bonjour Benoît, ici. Tu as dit que tu avais retrouvé le plaisir sur ce camp d'entraînement. Est-ce que tu sais maintenant pourquoi tu l'avais perdu sur le précédent ou sur les précédents? En fait, c'est, je pense, la gestion de tous les éléments qu'apporte le succès, entre guillemets, dans une carrière, les sollicitations, l'ensemble des sollicitations qui font que ça change pas mal ton quotidien, mais pas que ton quotidien à toi, le quotidien de tout l'entourage qui accompagne ton aventure. Et donc, forcément, ça change la vie et il faut arriver à adapter pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu as changé justement? Qu'est-ce que tu as adapté? Vous allez le voir samedi, beaucoup de choses. Bonjour Benoît, Olivier pour BoxMag. Je voulais que tu reviennes un peu avec nous sur ton combat contre Dustin Poirier. Savoir comment tu avais géré, entre guillemets, intérieurement, comment ça s'était passé le combat. Et qu'est-ce que tu en avais retenu? Est-ce que tu avais noté en toi des points faibles? Et est-ce que, par exemple, tu t'étais rendu compte que... il y avait des combattants qui étaient vraiment très forts? Non, déjà, je me suis rendu compte qu'il faut sous-estimer personne et qu'il faut surtout arriver prêt au combat à 100%. Et que je trouvais que c'était un manque de respect d'annuler comme de prendre le combat dans l'état dans lequel j'étais. Donc, dans tous les cas, j'étais un petit peu dans une situation de dilemme. Mais les défaites font toujours rebondir et remettent pas mal de choses en question. On parle de responsabilité défensive. Même à 100%, peut-être qu'au troisième ou au quatrième round, j'aurais été dans le même état que j'étais très très rapidement dans ce combat. On ne sait pas, en fait. Et ça me prépare pour le futur parce que je sais qu'il y a des choses à corriger. Et on a travaillé dessus. Et voilà, donc c'est ça. Après, ce qui était frustrant, c'est que par exemple, un combat contre Elysée que je perds... à la décision, j'étais quand même fier de ce combat parce qu'à ce moment-là, mon niveau en MMA que j'avais après 2 ans et demi de pratique était là où il était, dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Et le combat m'a quand même rempli de fierté parce que j'étais à 100% ce jour-là et j'ai pu aller au bout de moi-même. Sur ce combat, j'étais absent mentalement et physiquement. Donc, c'est pas une situation que je souhaite à un combattant. Je pense que c'est un sport qui est très dur et donc il faut être solide. Et bien dans sa tête et quelque part être dans le bonheur de l'accomplissement du chemin qui t'amène au combat, jusqu'au combat, pour justement performer. D'accord, merci. Benoît here. Last time you fought in Paris, you had a great performance against Thiago Moises. And Saturday night you'll be main eventing
here in Paris. Does that bring more pressure to you to fight in France? No, but a lot more pleasure. A lot more pleasure because it's easier for us, you know. We are here. It's our country. We don't have the jet lag like we have in the US. We take our time. You have the French media that is around you. You have the French people that are cheering for you. Easier for them to get tickets. Of course, it was sold out very fast, but it's easier for them to get there. It's just more kind of a family moment. And last one for me. So obviously, before your fight with Poirier, you had a 5-5 win streak, 5 finishes in a row. Then obviously, you don't have the performance you want against Poirier. How did you bounce back from that mentally after winning 5 in a row, 5 finishes, and then having a loss? Yeah, it's always hard. It's always hard to bounce back. But it was a lot of work after this, a lot of questions that I had to answer, what I wanted for the future. And a lot of changes to, you know, to get back to taking a lot of pleasure in what I'm doing. And it was also the accumulation of having so many success so fast. Me and everybody that was is surrendering the adventure of as a fighter, it was difficult for them to absorb this all this fast, and it did us good to have some time to readjust a lot of stuff. Bonjour Benoît, Lorenzo pour Actuel MMA. Donc là, tu vas affronter Moicano. C'est un combattant qui a quand même pas mal d'expérience. Il a affronté quand même des grands noms à l'UFC. Est-ce que tu dirais que c'est cette expérience qui fait sa plus grande force? Oui, c'est un combattant qui est complet, qui a beaucoup d'expérience. Il a perdu que contre des anciens champions ou des top 10, top 5. Donc c'est un gros test. Et c'est ce que j'attends de ce combat. C'est de prouver ma place et d'être testé. Et j'en suis convaincu, ça va être un beau combat. Et puis on sait que tu as un style très agressif. Et est-ce que ce n'est pas encore plus le cas en France quand tu es devant ton public? Tu es encore plus galvanisé que tu peux l'être d'habitude? Alors, tu es galvanisé, tu l'es, mais au premier combat, je m'étais laissé prendre un peu par les émotions parce que c'était la première fois en France. Je n'avais pas vécu cette expérience. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, donc je vais rester quand même concentré sur ce que j'ai à faire dans l'octogone. Mais bien sûr, je vais passer un bon moment avec le public. Quelque part, dans tous les cas. Merci.